toi, le concours de commissaire, ça, ça devrait pas être trop dur pour toi, hein, avec ta licence. Maîtrise, là. Mais c'est encore mieux. Ouais, mais j'en ai marre de passer les concours, ça me fait chier. T'as bien pensé celui de l'inspecteur? Ouais, mais il était plus facile. C'est du terme, tout ça. C'est... Ça ronronne. Alors ça, c'est l'ennui de... C'est l'ennui des mises en place qui n'en finissent pas comme ça, parce que ce plan, il était... On le tournait tout à l'heure, il était impeccable. Et là... Bon, allons-y. Bon, allons-y. Pourquoi tu joues théâtre comme ça? On se croirait au théâtre ce soir. Je danse pas. On reprend, s'il vous plaît. Non. Pourquoi ça roupille comme ça? C'est quand même pas parce qu'on s'est couché 1h du matin, c'est quand même pas terrible. Il faut pas prendre le ton, hein. Enfin, moi j'ai un ton... Ça ronronne, là. J'ai un ton qui est comme ça, faut pas... Si on tombe tous dans le même ton, alors là, ça... C'est vrai que c'est bonjour. Bah oui, c'est... Vous collez au roux, là. Suceur de roue, là. Et en plus, vous faites moins bien, alors. J'ai un ton, mais j'ai quand même un pic, t'as rien compris, vous dites, c'est elle qui demande ta mutation. Bon, ça, bon, essayons, on va voir. Bon, allez, et je t'ai dit, les grandes eaux. Oh. Tu veux rester inspectrice toute ta vie? Non, partez, c'est fini. Moi, je suis parti en avant. Il y a une fille qui s'est appelée, elle s'appelle... Eric, comment? Sylvette Herry, non, Sylvette Herry, oui. Non. Elle non. S'est fait appeler, ou plutôt Coluche l'a appelée Miu Miu. 17e jour de tournage du film de Maurice Pialla, Police, avec Gérard Depardieu, Sophie Marceau et Pascal Rocard. Ce jour-là, Pialla dirige Depardieu et une non-professionnelle, Jocelyne, inspectrice de la brigade territoriale, qui joue ici son propre rôle. Quand il te dit partez, Maurice. Je m'en fous, actuellement je veux que ça soit bien joué. Je m'en branle du téléphone. Attends, on verra comme c'est. Le téléphone, il peut venir n'importe comment. Du moins que c'est bien joué, actuellement oui. C'est... Allons-y. Hein, il y a de quoi se... On peut rester tous couchés ou aller se balader plutôt que de venir toute une journée pour faire des trucs pareils. C'est Millet. 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 Tiens, en parlant de Millet, il est le tableau de Millet, là, on le foutra sur le radiateur, mais là, on n'a plus le temps, tant pis. Allons-y. Non. Bon, alors, vous allez bouger, pas rester assise. Toi, tu viens de je ne sais où, hein, parce qu'on est tous là piqués à attendre que la scène commence. Et c'est la meilleure façon de jouer comme vous êtes en train de le faire. Hein, toi, ça allait pas mal au début, mais après, c'est boum, boum, boum. Quand les gens sont pas bons, ils entraînent les autres. C'est comme le truc des dominos. Hein. Alors, va te balader, reviens. Vous vous mettrez en place quand vous voudrez, et puis ça bougera un peu la scène. Non, toi aussi. Alors, évitons de toucher le fond. Bon, vous y êtes tous. Bon, mettez-vous en place. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Recommencer, puisqu'il y a des gens qui disent silence quand on tourne. Non, mais bravo. Et le bruit, on peut en avoir de temps en temps du bruit. On tourne toujours, on dirait qu'on est dans un tombeau. On peut très bien avoir du bruit quand on tourne. Bon, on recommence, pardon. On recommence. On se rebarre ou on refait? Oui, on se rebarre. Allez-y. Non, tourne pas, là. Ça sert à rien. Quoi, t'es un fiancé? Non, pas encore. Non, ça... T'habites toujours chez tes parents? Ouais. Oh. Si, si. C'est quoi, tu payes une pension? Non, non. C'est plus économique. Ah oui, ça m'étonne pas. C'est comme ça que tu te payes des vacances en Égypte. Hein? Ouais. Et c'est super. C'est comme ça que tu te payes des vacances en Égypte, hein? Oui, et c'est super. Quoi? Les Égyptiens sont sympas.
Ah bon, bah, quoi, ouais, t'en as plein de couilles ici. Pourquoi tu vas chez eux, cochonne? C'est pas pareil, ils sont mieux là-bas. Quoi, ils sont mieux? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux? Ils sont sympas, tu vas chez eux, tu bois le thé. T'es sûr que tu bois que le thé? Ah oui. Ah, sacré LSD. Mais pourquoi tu m'appelles LSD? Parce qu'elle suce debout. C'est malin. Et dire que je vais te regretter. Oh, alors, t'as quel sujet? Attendez, je vais voir si je le trouve. C'est de la part? Non, c'est bien. Très bien. Ça, alors, bon, je m'assume que je fais l'exprès, mais il faut bien que tu comprennes, ma Didine. C'est un jeu, on s'amuse, on doit jouir, on doit bouiller oui. Par terre. Tant que... Mais ça va maintenant, t'es plus à l'aise devant une caméra, ah, non? T'es à l'aise? T'es à l'aise? Oui, pour parler. Tu t'amuses, c'est bien. Et tu t'en occupes pas, tu t'en fous, t'es comme t'es. Moi, je suis raide comme tout. Hein. Un acteur, c'est quelqu'un qui est physique, qui doit faire ce qu'il veut de son corps. Regarde, les grands acteurs, c'est toujours comme lui, d'ailleurs, des grands comiques. Hein. Ils peuvent faire, alors que beaucoup de gens font dans le grave, comique, tiens. Et c'est des gens qui font ce qu'ils veulent de leur corps. Bon, on n'est pas forcé. Bon, ceux qui peuvent pas, qui sont plus... Eh ben, tu t'en fous, tu te laisses aller. Tu es avec tes défauts, si t'es... Mais tu n'y penses pas. Tu te laisses aller. Hein? Il faut s'amuser en jouant. Oui, ben ça allait mieux, là. Oui, mais tu t'amuses. Parlais. D'accord, mais c'était très bien. Est-ce que tu peux pas t'amuser davantage? Ça doit être un plaisir. Hein? C'est pas comme aller passer un concours ou passer des examens pénibles dans un hôpital. De jouer une scène, c'est amusant. Il n'y a rien de douloureux. C'est au contraire. C'est un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir. Bon, allons-y. Tu disais à soin, tout ça. Quand on parle comme ça, faut évoquer. Tu comprends, on voit les barques sur le Nil et tout ça. Enfin, ce que les gens croient, puis après ils arrivent, ils voient les pyramides, ils sont dans une banlieue, c'est naze. Mais toi, c'est pas ton avis. Tu trouves que c'est formidable, hein? Bon, mais vas-y, dis-le. Puis j'ai tourné avec un accompagnateur, il a fait ça pour nous. Il nous a emmené que deux ou trois, les autres étaient pas là et on a été boire le thé chez l'habitant, c'était formidable. Tu vois? Parce que ça t'expédie tout là. Je t'ai dit, on est là toute la journée que pour ça. Et au moment où tu le dis, c'est oh là là, dépêchons-nous vite, arrêtons. Hein, c'est ça, c'était formidable. Et dis-le comme tu l'as dit hier. Voilà, là, elle est en plein dedans. Là. Moteur. Oui, ils sont super, les Égyptiens. Ah bon, pourquoi? Écoute, t'en as plein de trouilles ici. Enfin, je vois pas pourquoi tu vas chez eux. Vraiment, c'est pour nous faire chier. Ils sont pas pareils chez eux, ils sont sympas. Comment ça? C'est sympa, ouais. Puis tu vas prendre le thé chez l'habitant, tout, c'est super. Oui, c'est sûr que tu prends que le thé chez l'habitant. Ouais. Sacré LSD. Mais pourquoi tu m'appelles LSD? Elle suce debout. C'est malin. Je veux dire que je vais te regretter. Allô? Clotilde. T'as quel sujet? Je vais voir si je le trouve. C'est de la part? C'est personnel. Allez. Allô? Tiens, pourquoi vous montez pas là? Vous auriez pu monter, là. Quoi? Ah bon, je sais pas. Pour être à sa hauteur. Ça allait, là? Je vais voir, regarde ce qu'il donne. Voilà, comme ça. Tu vois, déjà, ça va mieux. Voilà, c'est pas le même, hein? C'est là que je veux revoir, moi. C'est sourire vicieux. Non. C'est pas vrai, on le sait. On sent qu'elle était un peu tendue, non? Non, elle était pas tendue, là. Elle était bien, mais il faut les répéter toutes. Il faudrait jamais les tourner avec. Là, tu vois qu'il y a une grande différence quand on est moteur, il y a une certaine tension, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une petite adrénaline qui se pousse. C'est comme quand on arrête un méchant. C'est pas pareil. Je sais bien, mais c'est pas grave. Mais en vrai, t'aimes bien l'Égypte? Oui. Quand il est où? Oui. Je suis revenue enchantée. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben oui, elle dit, je suis revenu enchanté. Pourquoi tu dis là maintenant? Enchanté? Comme tu y vas? Oui, ça va, grâce à Gérard, il arrive à le... Mais il faut ralentir, alors partir plus vite. Je suis revenu enchanté, bon, ça sort comme ça. C'est-à-dire que je la coince énormément? C'est moi qui la coince. Je te coince, tu me le dis. Non, je sais pas. Non, elle est pas coincée. En plus, ça y est, on va la remettre bloquée. Ça y est, t'es reparti pour un tour. C'est plus la peine. On est parti pour 700 mètres. Non. Autant tourner dans le couloir, tout de suite. Oui, ça me passe. Pourquoi je m'en vais? Non. Chut. Quel rocard, viens, nous servir à boire.
Elle va être plus chère que Bonheur. Et que Besnéard. Dominique Besnéard. Allô, bonjour, c'est Dominique. Après, j'ai fait le regard, c'est intéressant. Allons-y, départ. C'est ce qu'on disait, mais quand il y avait Patrick Devers, c'est pas plus cher et ça fait l'affaire. Avec Depardieu, c'est pas plus cher, c'est pas mieux. C'était un grand bruit qui courait, comme ça. Finalement, si tu veux, je t'ai dit. Bon, on y va. Ça a dû bouger, mais vous. Il y a Pierre-Éric. Juste en dessous. Il a tout donné au Parti communiste italien. Il a dit. Marco, il a donné son argent au Parti communiste italien. Il a gardé plus les racontes. Non, le yacht, il l'avait vendu, il avait dénié le vendre. On y va, Maurice. Moteur.